En attendant le retour sur scène, les musiciens de Danakil travaillent leurs derniers arrangements. 2021 sera une année importante pour le groupe de reggae qui fêtera ses 20 ans avec un nouvel album, un livre anniversaire, une date à l'Olympia à Paris le 6 mars et une nouvelle tournée. Voici leur dernier titre, La Famille, dont le clip a été réalisé dans l'Entre-deux-Mers en Gironde. C'est aussi un retour aux sources musicalement. Voilà, on se rapproche un peu plus de ce qu'on faisait dans les tout premiers albums, c'est-à-dire c'est assez organique, assez roots, comme on dit dans le jargon. Et voilà, c'est un retour aux sources, mais toujours avec des textes engagés et ancrés dans l'actualité. En 20 ans de carrière, Danakil a été sacré meilleur groupe de reggae français, a sorti 10 albums, créé son propre label Baco Records et vient de faire construire un studio d'enregistrement en plein centre de Bordeaux. Avant, on devait louer des studios, ça nous coûtait assez cher et puis c'était des mises en place assez complexes. Maintenant, on est à la maison en fait, donc pendant que l'équipe travaille à l'étage, en dessous, les musiciens font la musique. Ça nous permet aussi d'être connectés, nous, en tant que producteurs, à la réalité du studio, puisque ça se passe dans l'immeuble. Un studio ouvert aux autres groupes de musique produits par Baco Records, comme les Hurlements de Léo, mais aussi à tous les musiciens désireux de travailler avec un équipement performant.